N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si cette vidéo vous plaît. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram aussi. N'hésitez pas, activez la cloche, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on est parti tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jack 2. Donc on s'était laissé ici après avoir défoncé le baron, mais cet enfoiré avait eu le temps de nous prendre la pierre de Mar, qui confère à son utilisateur un pouvoir extraordinaire qui implique des responsabilités. Bref, du coup, là, on se rend devant chez Thorn. Il va nous parler, à mon avis, il va pas être tout seul. Il va y avoir Samos et compagnie. Et on va en savoir plus sur les prochaines aventures qui nous attendent, sans doute pour récupérer cette fameuse pierre et défoncer le baron une fois de plus. Comment le baron a su qu'on était sur le point de s'emparer de la pierre ? C'est de ma faute. Le baron menaçait de tuer Ashlyn, sa propre fille. Je ne pouvais pas prendre ce risque, même pour les souterrains. Ok, bien vu. Maintenant que Praxis détient la pierre des précurseurs, il peut faire tout ce qu'il veut. Il reste un moyen de faire revenir nos amis, et peut-être même la pierre des précurseurs. Je vais chercher Vin. Allez à la forteresse, on vous appellera. Pourquoi est-ce qu'on vous ferait confiance? Parce que vous savez comme moi que le baron aurait tué Ashlyn. Ça va barder à la forteresse. C'est du suicide. Contentez-vous d'ouvrir cette porte. J'y serai. Mais c'est un traître. C'est un traître à la cause des souterrains. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'Ashlyn? Sérieusement? Là, s'il veut, il tue tout le monde, le gars. C'est stupide. Stupide! Bref, on va à la forteresse. On va s'y rendre ensemble. Parce que pourquoi pas? D'habitude, je cut. Mais là, j'ai pas envie de cut. Oh putain, c'est pas possible. T'as vu, il y a des nouveaux soldats. Ils sont jaunes maintenant. Et ils ont des plus grosses armes. Enfin, c'est l'impression que j'ai, mais je sais pas si c'est ça. Voilà. Ça va, c'était pas très loin, c'était juste à côté. À mon avis, il va y avoir du combat, là. Je pense. C'est pas là où il y avait eu le char. Le fameux tank. Qui m'avait fait... enrager. T'as vu, il y en a des jaunes. What the fuck? Mais attends, ils volent et tout maintenant? Ouh là là, il y en a beaucoup. Ouh loulou. Ah mais ça va être dur là. Hein. Oh, c'est encore un truc où il y a 10 000 mecs. Oh là là, ça va me rendre fou. Oh non, ça y est, ça recommence. L'enfer. Oh l'enfer, oh non. Oh non, non, non. Mort au soutien. Non, c'est pour toi qu'elle est trop douce, la mort. Par contre, c'est quoi les trucs, là? Parce qu'il... Là, il y a quelque chose, là, non? Attends. Bon, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a forcément quelque chose. Est-ce qu'il faut que j'y aille comme un bourrin? J'ai fait beaucoup de dégâts, là, par contre. Cadeau de quoi? Par contre, je me demande c'est quoi, hein, ces trucs-là. Je vais tous les activer. Juste pour savoir. Par curiosité. J'ai fait double saut.
Oh, vas-y, ça y est, ça commence. Les douilles. Les douilles. Ça faisait longtemps, hein. Ils ont trouvé le tombeau de Mar ? Non, mais ils nous le diraient pas. Abandonne, crapule. On a perdu l'unité bêta. J'ai même pas pris un dégât. S'il vous plaît. Allez, à mon avis, il faut tous les activer, ces trucs-là. Pour cet épisode, j'ai pas envie de faire beaucoup de cuts. Donc on va essayer de faire ça proprement. Attendez, j'ai oublié celui-là, non ? Ouais. J'ai des coups de chaud des fois. Et voilà, ça désactive. Qu'est-ce qu'il faut faire? What the fuck? C'est tendu un peu, non? Oh! What? De quoi? Calme-toi, calme-toi. Pour quelle raison? Pour qui? Pourquoi? Je sais pas, vas-y, ça saoule. Pourquoi est-ce qu'on cherche ce gamin? Je ne sais pas, ordre du baron. Abandonne, crapule. Chargez. Vas-y. Renfort de relais. Ça, c'est pour le gars. Abandonne. Tranquillou. Allez, il faut réactiver tous les trucs. Ça, putain. Encore me retaper tous les gardes. Tu vois, c'est chiant, mais je pourrais comprendre. Mais réactiver tous les boutons à chaque fois. Ça, ils auraient pu le mettre d'office. Une fois que c'est fait, quoi. Le jeu, il est long. Mais parce que tu dois refaire les mêmes choses en boucle à chaque fois que tu meurs, hein. Et que t'as des checkpoints à la con. Parce que sinon, le jeu, à mon avis, il se fait 10 fois plus rapidement que normalement, quoi. Ça a ni queue ni tête. Allez, j'aimerais bien avancer. Donc, ça serait cool de finir ce niveau. Ouais, d'accord, ah bah super. Hein. Mais alors là, la douille. Elle est cosmique. Non, mais trop, c'est trop. Oh, trop, c'est trop, j'en ai marre de ce jeu, allez, vas-y. Ah, des fois, j'ai envie d'envoyer tout valser. Non, mais... Mais quel intérêt, putain. Et ceux qui ont fait ce jeu-là, j'ai envie de les massacrer, je te jure. Ah, j'ai envie de les tarter, mon gars. Oh là là, c'est...
C'est un truc de ouf, hein. A lot of boring math later. Non, non. Oh, yes, j'ai réussi à passer. En, j'ai couru quoi. J'ai speedrun le jeu. Sinon, c'est impossible. Ah non, mais regarde, quand tu prends 10 secondes. 10 secondes pour voir ce qu'il faut faire, bah tu es laté d'une force. Là, ça vient en boucle. Alors on se barre. Ah, pour retourner là. Salut poupée. C'est moi, ton broyeur de métalettes préféré. Oh, j'ai laissé Jack m'accompagner. Oh, mon petit héros. Samos, ça va? Vous en avez mis du temps. Pendant que je vous attendais, ces nouveaux anneaux se sont formés sur mon tronc. Salaud, qu'est-ce qui vous est arrivé, Jack? Attendez une minute. Vous êtes vous. Enfin, l'autre vous. Je veux dire, vous savez bien. Eh oui, apparemment, j'ai un vieux jumeau. Partout les pissenlits. Comment ai-je pu devenir ce vieux rondin excentrique? De Samos les sages. Ah, Jack, ils se reproduisent. Il faut trouver l'enfant, et vite. Mais de quoi parles-tu, vieille branche? L'enfant a déjà ouvert le tombeau. Le plus urgent, c'est de neutraliser les forces du baron. Oh, tu calmes, hein, petit bourgeon. Si tu avais la moitié de ma sagesse, tu saurais que le plus important pour le moment, c'est de trouver l'enfant. Écoute, vieille branche desséchée, c'est moi qui décide, et j'ai dit qu'on s'attaquait aux forces du baron. C'est pas bientôt fini, vous deux? Vin est en train d'activer le téléporteur. Allons-nous-en d'ici. Eh ben, enfin, quelle fut dure. Elle fut dure, cette mission, elle fut dure.
En fait, dès que t'as compris, c'est simple. Mais une fois de plus, c'est pas très clair. Du coup, tu galères. Et bon, je suis content quand même de l'avoir fini. Bon alors, on poursuit notre aventure. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a le bar. Il y a l'épée de Thorn. Et il y a la clé de mécano de Kera. C'est sans doute une autre course. Une course de classe 2, je pense. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la course. Parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Donc, pourquoi pas, hein. Je sais pas si c'est loin de là où on se trouve. Alors, on va voir ça tout de suite. Sinon, on va cut, hein. Ouais, je pense qu'on va cut. Donc, on se retrouve très très vite. Nous voilà arrivés à l'arène. Là où il y a les courses. Bon, bien sûr, j'ai écrasé 10 000 soldats, du coup ils sont vénères, mais on s'en fout. Je peux le voir. Tiens, ce serait pas l'écho dégénéré. Où est Kira? T'inquiète, je garde un œil sur la princesse. On ne parle que de toi en ville, Jack. Tu redonnes de l'espoir aux gens. C'est pathétique. J'aurais aimé en finir avec toi en prison. Mais ça va être tellement plus drôle de te battre sur le circuit, devant toute la ville. Je peux entendre déjà la clameur de la foule, face à l'échec de son cher héros. C'est bon de te revoir, papa. Oui, ça fait du bien d'être à nouveau libre. Tu sais, Kira aime les gagnants. Un jour, elle sera ma mécanicienne. T'approches pas d'elle. Ah, Erol est le meilleur pilote que je connaisse. Ne te fie pas aux apparences. T'es bien placé pour dire ça, toi. Ah, regarde-toi, il paraît que quand tu t'énerves, tu changes. D'ailleurs, le Jack que je connais ne travaillerait jamais pour quelqu'un comme Crew. J'ai besoin de ces relations pour vaincre le baron. Sans ce... Tu sais quoi? Agis à ta façon et j'agirai à la mienne. Mais ne viens pas pleurer quand les murs s'effondreront. Jack, mon pote. Qu'est-ce que tu racontes là? Jack? Jack! À tous les pilotes, les courses de classe 2 vont commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi qui vas piloter, Daxter. Si tu gagnes, nous serons qualifiés pour la finale du championnat. Ça doit pas être bien dur. Bien s'accrocher et maîtriser l'engin pour qu'il aille où je veux. Et puis il y a l'autre truc là, pour aller plus vite. Tout ce qu'il faut, c'est foncer. Je peux le faire. Partez au décollage. Ouloulou. Oh non, Daxter, tu déconnes. On contrôle Daxter. Oh là 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 là. Et alors, est-ce que je vais mieux m'en sortir que la première course? Je sais pas, hein. Déjà, c'est une course différente. Bon, je m'y attendais un peu. C'est cool. J'ai oublié c'est quoi le turbo. Ah, c'est bon. Ouloulou! Ok. D'accord, déjà là on peut pas tomber. Je crois, hein. Mais il me semble que j'ai pas vu d'endroit où on pouvait tomber. Par contre, c'est beaucoup plus serré. Là peut-être par contre on peut tomber. Ouais. Ok. Pas grave. C'est pas grave du tout. On découvre les lieux. C'est extrêmement serré, on est tous les uns sur les autres. Putain, mais... Ok. Oh là 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 là. Oh, c'est... C'est vraiment dur, hein, par contre. Hein. Ouh loulou. Faut que je freine plus. En fait, j'ai cette manie de tout le temps accélérer. Jamais je freine. Alors que bon... Des fois, ça aide, hein. Bon, là, par contre, c'est lui qui m'a emmené avec lui. Dans le plus grand des calmes. Voilà. Pour l'instant, ça va. Hein. Je suis encore... dans les trois premiers. Par contre, 5 tours.
Ça va être une longue course, hein. Quatrième. En plus, faut être premier, hein. Sinon, ça sert à rien. J'ai beaucoup de mal à contrôler Dexter quand il est en turbo. Putain, franchement, ils arrêtent pas de te matraquer la gueule. Ils ont aucune pitié. Hein. J'utilise le turbo parce que là, faut vraiment que je récupère le temps que j'ai perdu. Je suis que quatrième. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Finalement, je trouve que la première course, elle était plus facile. Alors qu'elle était déjà difficile. Hein. Mais là, celle-là, wow. Tout le monde se fonce dessus. On dirait un... les championnats de voitures là aux États-Unis où tout le monde se... tout le monde s'éclate les uns contre les autres là, je sais pas comment ça s'appelle. Allez, là je suis premier, faudrait que j'arrive à tenir la course. Ah bah voilà. Il m'a rattrapé l'autre. Après j'ai le turbo que j'ai pas utilisé encore. Oh là là, c'est dur hein. C'est tendu. Allez, 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 allez. Alors là, c'est bien. J'ai mis le turbo au meilleur des moments. Le problème, c'est que j'arrive pas à tenir le véhicule quand je suis en turbo. Faut vraiment que je sois en pleine ligne droite. Et encore. Et encore. Bon là je suis deuxième, le premier il est juste devant moi. C'est largement jouable. Là il y a une belle ligne droite alors j'hésite pas à mettre le turbo. Là c'est passé crème aussi. Allez je vais me faire rattraper, putain. C'est dur, c'est dur. Il est où le premier là? Il est hyper loin, non? Oh là là, puis il reste que un tour. Ah, ça va être dur. Ah, ça va être tendu. Le premier, il a l'air tellement loin. Ah non, il est juste là. Oh, c'est jouable en fait. Oh non, 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 j'ai déconné. Oh non, putain. Oh non, j'ai tout bouffé là. Oh non, cinquième, putain. Oh non, putain. C'est le dernier tour là qui m'a mis dans la sauce. Oh non. J'ai mis le turbo au pire des moments. Bon allez, là ça va le faire. Commence à mieux contrôler la bécane, à mieux comprendre comment fonctionne le tour. Après voilà, je sais à quel moment faut l'utiliser maintenant le turbo. Ça aussi ça m'aide. Là par exemple, ça passe. Mais le meilleur des moments c'est là. Parce que t'as une belle ligne droite. Donc faut pas hésiter. Que là tu vois déjà c'est beaucoup plus compliqué. Ah, le premier putain il a de l'avance là.
Allez, on commence à rattraper le premier. Il reste 2 tours, c'est largement jouable. Faut pas se précipiter. Faut faire les choses bien. Oh non, mais là, il m'arrive des trucs improbables. S'il te plaît. Voilà, tranquille. Mais même avec le turbo, ils arrivent à aller presque plus vite que moi. Pas normal, ça. Regarde, là, qu'est-ce que je suis censé faire? Ils sont 2, ils m'emmènent avec eux. Vas-y, le premier, il est juste devant. Il reste encore 1 tour. Je vais la jouer tranquille. Ah, putain. Allez, dernier tour, là. Faudrait le rattraper, là, le numéro 1. Faut que je prenne les turbos quand je peux les prendre. Ok, on a rattrapé le numéro 1. Je suis premier. Je sais pas comment j'ai fait. Allez, allez. Non, non, non. Oh, coup de chat, il était sur moi, le mec. Yes. Voilà une récompense à ma taille. Bravo, Daxter. Grâce à toi, on est qualifié pour la grande course. T'en doutais? J'ai toujours été le copilote de Jack. Hey, il vient encore le gros bisou pour le vainqueur. Plus tard, peut-être, si tu es gentil. Salut. On les a bien mis à leur place, ces nulos de classe 2. J'ai vu. Tu sortais un peu trop dans les virages parfois, mais tu rétablissais bien. Je suis fier de toi. Vraiment? Ouais, t'as été super. Non, on a été super. Un partenaire. Aïe, aïe, aïe. Jack et Kara qui se font la gueule. C'est dur. C'est dur. Bref, je suis content. J'ai réussi la course beaucoup plus facilement que la course de classe C. Mais en fait, là, je me suis vraiment adapté à la course et à comment fonctionne le vaisseau. Donc, ça passe crème. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au bar et on va voir quelle mission il va nous donner. En attendant, je cut. On se retrouve tout de suite. Nous voilà devant le bar. Donc, on rentre tout de suite. On va voir ce que il va nous donner comme mission. Sans doute une mission à la con. Parce que lui, ses missions, elles sont vraiment... Hein, comme ça, hein. Allez, on est parti tout de suite. Bon, vous semblez réglo, les gars. Comme le chef est en train de pioncer, on va pouvoir parler franchement. Ça fait des années que je suis le garde du corps de Crow, et j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Mais cette fois, je crois bien qu'il manigance quelque chose de vraiment terrible. Je pense abandonner. Ah, Sid commence à nous apprécier, Jack. Dans mes bras, mon gaillard. Claquez-vous, Osmark. Tais-toi. Je crois que Crow est cette... Chut, il se réveille. Calmos. Je vais me charger de lui. Salut, mon gros. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver en haut de la chaîne alimentaire? Il fait beau là-haut. Ouh, maître Crow, vous avez fait de l'exercice. Vous avez l'air en pleine forme. En grosse forme. Et ses jambes. Oh, elles sont si athlétiques. Vous avez travaillé. J'ai besoin de vous pour conduire 3 de mes hommes dans les égouts. Ils doivent revoir cette statue. J'ai entendu dire que la tête de mort renfermerait un autre secret. Je veux que vous vérifiez si c'est vrai, hein? Surtout, assurez-vous que mes 3 hommes parviennent à la statue. Ils s'occuperont du reste, hein? Ah là là, Crew. Et ses jambes qui sont immondes. Ah là 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 là. En plus, il me fait retourner dans les égouts. Oh là 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 là, mais quel enfer! La caméra? Ok. Normal. Allez, on est parti pour aller dans les égouts.
nous voilà arrivés devant les égouts. Donc, on va s'y rendre sans plus tarder. Donc, comment va se présenter la mission ? À ce que j'ai compris, il faut retourner. Ok. Ok, d'accord. Ah ! Ah merde ! Et puis il me tire dessus en plus. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc faut les protéger jusqu'à la statue. Vous avez entendu ? On va mourir, les gars. La ferme ! Je vais... Ah ! Un métalèque ! Ok, faut juste les protéger en fait. Ils étaient coriens, ces métalheads. Oh, par contre, leurs commentaires à la con là. Oh là là. Ok. Encore un peu comme ça, je suis fini. Pour l'instant, on est bon. À la gâchette, fais gaffe, ton. Putain, il se met devant moi lui. Ok, au moins ils se défendent un peu. C'est toujours ça de pris. Ah, non, pas encore. Et voilà, à moi de jouer maintenant. Par contre, il y en a un, il est déjà quasiment mort. Donc, à mon avis, oui, c'est mal barré. Garde la tête baissée, tu veux, mon chou. Et puis il gueule. Oh là là. Connard, ouais. En fait, il est en train de dire que c'est de ma faute en plus. What? Ah putain. Jack, mon héros. Ferme-la, Mog. Jack, mon héros. Ouais. Moi j'apprécie, mais bon, quand même. Putain, mais ta gueule! Chaque fois qu'il parle, ça me perturbe. Parle trop fort. Attendez, je vais baisser le son parce que... Ah ouais, j'avais mis le son vachement fort. Ok. C'est de l'écho noir, ça. Oh, je me suis transformé. Bah, pousse-toi, je peux pas tirer, là. Oh, je lui ai mis un taquet à l'autre. Derrière. Putain, mais l'erreur stratégique là par contre. Poussez-vous là, putain. Ah, j'ai mal joué là par contre. Mais je voulais pas me transformer en fait. Je me suis trompé de touche. Ouais, ouais, bah je me doute bien, ouais. Oh putain. Putain, mais comment je fais? Je vais me faire défoncer en fait. Waouh. Comment tu fais? En plus, ça vise pas. Voilà, allez, c'est bon. Voilà, merci, au revoir. Oh, il y en a encore, oh là là. C'est tendu. Ouais, vas-y. C'est impossible. Allez. Ah, je suis deck. Ouverture, le protecteur. Et voilà notre homme. Oh, ta gueule. Un ami du temps. Bon, on y va. Crew a dit que t'allais nous protéger jusqu'à la statue. J'ai 30 blocs d'explosifs dans le dos. Une vraie bombe humaine. Ouais. Pourquoi on fait ça déjà? Fermez-la tous les deux et foncez droit devant. On descend. T'es sûr?
Ok. Fermez-la tous les deux et foncez droit devant. On descend. T'es sûr? Par là. Vous avez entendu? Ah, un métalèque, tue-le. Bon boulot. Vous êtes rien, ces métalèques. Ah, ils descendent les murs. Et voilà, à moi de jouer maintenant. Poussez-vous les oreilles. Aux abris, oui. Ça va péter. Tu veux mon tour? Mais Jinx, qu'est-ce que t'as mis dans ces explosifs? Ton haleine, crétin! Allez, on bouge! J'attends ce boulot! Il en arrive aussi de derrière! Génial! On est coincé dans ce cloaque puant! Vas-y, vite, petit gars! Ah! Il m'a eu! Tu t'en sors pas mal avec ce bout de ferraille, mon kiki! Jack, mon héros! Ferme-la, Mog! On se casse avant de tous mourir! Je veux rentrer chez moi. L'odeur du soufre est enivrante. On est mal barré là. Jack, c'est à toi de jouer. Bande de larves. Recule. Je vais faire exploser tout ça à distance. Et un égout débouché, hein? Prochain arrivage. T'as pas perdu ta journée, toi? Allez, on finit ça. Il est hors de question que j'y retourne. Oh, la belle statue. Reculez, on est des pros. Ok, les gars, réglons-lui sans compte une fois pour toutes. Attendez, qui vous a dit de...
Non! Voilà ce que nous cherchions, le cœur de Ma. Encore merci, mec. On va leur apporter à Crew. Non, non. On fait des mauvaises choses, là. C'est pas bon. Oh, oh. La légende était donc vraie. Le fameux cœur de Mar était caché dans cette ignoble statue du vieux bonhomme. Oh, rien de cassé, rien de gagné, telle est ma devise. Pour vous récompenser, vous trouverez un upgrade d'armes planqué dans une caisse au port. Lui, j'espère qu'on va le défoncer. Un gros taquet dans sa face. Bon, sinon la mission elle a été dure. Hein. J'ai dû recommencer. Pouf. Comme d'hab, hein. Au moins 100 fois. Mais j'y suis arrivé. Et j'en suis bien content. Encore une mission de fini. On avance. Tranquillement mais sûrement. Du coup, je vous laisse là. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus dans le bus.